Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne de création de contenu Minecraft. On se connaît pas, c'est la première fois que tu viens. Laisse-moi te donner quelques exemples de ce que je peux te proposer sur ma chaîne. Mais avant tout, laisse-moi me présenter. Je suis FunkyTok, je développe des datapacks et des maps pour Minecraft depuis maintenant 2 ans. Et comme j'adore le processus créatif dans son ensemble, j'ai voulu le partager avec toi. C'est pour ça que je commence une chaîne YouTube. Sur ma chaîne, tu vas en grande partie trouver du contenu dédié aux datapacks ou à la création de maps. Dans la liste de mes travaux, tu vas pouvoir trouver un datapack de parcours, Ninja Move. C'est mon plus gros datapack à ce jour et il te permet de ramper, sauter, double sauter contre les murs, courir ou escalader carrément. C'est un datapack très complet pour ce qui est des mouvements et ça te permet de faire notamment des maps jump. Ce datapack, je l'ai utilisé dans Ninja Parcours, c'est une map que je te propose en téléchargement dès maintenant, qui te met le datapack Ninja Move en situation dans des parcours incroyables créés par la communauté. Je fais également des datapacks plutôt cosmétiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'effet direct, c'est plutôt du visuel, comme Gore Mode qui va rajouter des impacts, des traces de sang, des saignements, que tu sois dans l'air ou dans l'eau, et tout ça, ça va venir enrichir un petit peu ton gameplay. Il y a également Cherryfy, c'est un datapack qui te permet de créer des spots pour t'asseoir sur les blocs, les dalles, les escaliers, quasiment tout ce que tu veux en une seule commande. Je fais également des datapacks plutôt challenge, pour ceux qui ont envie de se confronter à des difficultés supplémentaires, notamment le Nether Star Challenge, c'est un datapack qui t'impose de commencer ton aventure dans le Nether, et donc tu vas devoir y rester tant que tu n'as pas créé ton propre portail pour t'enfuir. Si tu veux pousser un peu plus l'aventure, tu peux également tester Vanisland, qui est un datapack en 1.16.2 qui va modifier tes 3 mondes, Overworld, Nether et Void, pour en faire des îles. Le concept est simple, si tu tombes dans un monde, tu vas atterrir dans le suivant. Et enfin, j'aime tout particulièrement le roleplay, ou en tout cas le RPG, c'est pourquoi j'ai développé quelques petits datapacks avec des mécanismes simples comme Rip, Dark Soul, qui te permet de faire apparaître des âmes aux endroits où tu vas mourir. Il y a également Traveler, qui te permet de générer des chemins sur les blocs d'herbe sur lesquels tu marches le plus. Le mécanisme est assez avancé, ça permet de faire des chemins assez réaliste et ça augmente également ta vitesse de déplacement. Tu peux également trouver Vegan Master si t'as envie de te challenger sur une aventure vegan. Et enfin Elytra Steamer pour transformer ton Elytra avec une propulsion intégrée. J'ai plein d'autres datapacks encore à te proposer. La liste s'agrandit de jour en jour selon ce que j'ai envie de faire, mais selon les tiennes aussi parce que je te propose de voter de temps en temps sur certaines de mes idées. La plupart de mes datapacks sont configurables, c'est-à-dire qu'il y a un menu d'options directement intégré en jeu et tu vas pouvoir l'adapter exactement à ce que tu veux. Tu vas également trouver des playlists de création de datapack, hein, des tutoriels pour débutants, mais aussi des tutoriels un peu plus avancés où je t'explique des mécanismes que tu peux mettre en place pour tes maps. Tu peux retrouver tous mes liens dans la description. Je suis présent sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram. Tu peux également rejoindre mon Discord, on est déjà pas mal à s'entraider à la création de contenu. Et bien sûr, tous mes téléchargements sont disponibles sur Planète Minecraft. Je te mets tous les liens qui vont bien en description. Si tu veux aller plus loin et me soutenir dans mon travail, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est pourquoi j'ai mis en place une page Patreon. Bien sûr, rien d'obligatoire, mais si tu veux bénéficier des datapacks en avant-première, en early access, c'est par là-bas que ça se passe. C'est tout pour moi, j'espère que j'ai pu te faire un petit tour d'horizon sur ce que je peux te proposer. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire, le petit abonnement qui va bien. Et moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. C'était FunkyTok, la bonne bise. Thank you.